Comme beaucoup de jeunes, j'imagine, j'avais regardé les Jeux Olympiques en 1976, la piste surtout, Daniel Morlon. Un peu comme, c'était comme l'idole du Québec, parce qu'il parlait français, puis il l'avait pas gagné, mais il avait le potentiel de devenir champion olympique pour la troisième fois. Puis je regardais les Jeux Olympiques à la télé l'après-midi, puis après ça, je sautais sur mon vélo avec un de mes amis, puis on faisait des tours autour du bloc, puis on resimulait les courses. Fait que j'ai commencé à courir officiellement en 77, j'étais vraiment pas bon. Puis, c'est ça, quand j'ai pris ma retraite officiellement ou demi-officiellement à la fin de 87, c'était la tradition à l'époque. Quand tu finissais de courir, que tu étais un coureur senior, tu commençais à entraîner les jeunes pour les faire partir dans le vélo. Moi, quand j'ai commencé, c'est ça qui s'est passé. Fait que j'ai fait la même chose avec les jeunes, puis la piqûre m'a pris. Puis, à un moment donné, après deux ans, j'avais une offre de devenir entraîneur de l'équipe du Québec. Van Denhorn, à l'époque, pensait quitter. Puis éventuellement, il a changé d'idée. Il est revenu. Mais là, le monde savait que j'étais intéressé à devenir entraîneur professionnel. Ça fait que 3-4 mois après, j'ai reçu une note de l'Alberta. J'ai pacté mes petits, puis je suis parti. Alberta, j'ai fait l'Alberta pour 5 ans et demi. Je suis rentré au Québec pour 2 mois. J'ai réussi à me trouver un emploi en Australie de l'Ouest. J'ai déménagé à Perth à ce moment-là, le 1er janvier 1995, moins 28 au départ, 32 à l'arrivée. Je veux dire que ça caillait. Puis c'est ça, j'ai travaillé 5 ans à Perth. J'ai été recruté par l'équipe nationale britannique à la fin de 1999 pour faire la préparation de leur coureur de vitesse pour les Jeux olympiques à Sydney. Sur route? Non, sur la piste. J'ai fait les Jeux avec eux, et puis après ça, l'équipe nationale australienne est venue me rechercher pour devenir entraîneur-chef de l'équipe nationale de l'Australie. J'ai fait ça sur la piste. J'ai fait ça de la toute fin de 2001 jusqu'après les Jeux olympiques de Pékin. Je pense que c'était en octobre 2008, j'ai pris l'équipe nationale féminine de l'Australie sur route jusqu'à l'an passé, jusqu'au mois de novembre l'an passé, où j'ai commencé comme directeur de la haute performance en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment de bâtir ou de rebâtir des équipes, là. Bon, évidemment, au club, c'était déjà tout organisé. Quand j'avais été en Alberta, j'avais un mandat particulier de développer leur équipe sur route. L'Alberta était déjà une puissance sur la piste. On n'avait pas besoin de faire beaucoup de travail de ce côté-là. D'ailleurs, c'est là que j'ai appris mon métier de pisteur. Mais par contre, sur la route, on était vraiment nulle part. Ça fait que ça a été ma première job, c'est de construire leur équipe sur route. En Australie de l'Ouest, j'étais le premier entraîneur à temps plein qu'il y avait dans le programme. Alors, j'ai bâti le programme là-bas. Puis d'ailleurs, c'était une des choses que j'avais appris quand j'ai quitté l'Alberta. C'était à l'époque où le gouvernement conservateur venait juste d'être élu, puis il avait décidé d'éliminer non seulement la dette, mais le déficit, la dette de l'État. Ça fait que, t'imagines, ils fermaient les hôpitaux, ils fermaient les garderies, ça fait que le sport d'élite. Ça fait que mon programme, que j'avais pris 5 ans à bâtir, a été complètement détruit. Puis c'était l'objectif que je m'étais laissé avec l'emploi que j'avais eu en Australie de l'Ouest, c'était de s'assurer que quand je pars, c'est un programme avec la clé en main. Je pouvais donner le programme à quelqu'un d'autre, puis ça allait continuer aussi bien, possiblement mieux, une fois que je sois parti. Écoute, un club, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du bon monde. C'est les personnes avant tout. Puis je veux dire, tu regardes, j'ai fait le métier d'entraîneur pendant plus de 30 ans. Puis moi, écoute, au début, je suis un technicien. Je suis capable de faire les chiffres, je suis capable de faire la planification. C'est toujours quelque chose qui m'est arrivé, qui me vient naturellement. Mais mon constat, très rapidement, puis quand je regarde les entraîneurs qui ont été mes modèles un peu, c'était vraiment plus du monde des motivateurs. Puis si tu me demandes maintenant c'est quoi le métier d'entraîneur, c'est vraiment de trouver une façon de faire cliquer le monde. Le reste qu'on fait, puis on fait beaucoup de sciences maintenant, beaucoup de techniques, plus qu'on en faisait même quand j'ai commencé. Mais en bout de ligne, c'est vraiment de comprendre une personne puis savoir comment on peut les faire marcher. Ça te prend du bon monde comme coureur, ça te prend du bon monde comme employé également, qui travaille, des gens qui sont fiables, des gens qui sont responsables, des gens qui sont honnêtes, qui sont prêts à prendre charge de leur équipe puis de leurs décisions. C'est vraiment là que ça se passe. Puis tes modèles, tu disais? Ben, deux entraîneurs. Il y en a un qui est ici, c'est Gary Sutton, qui travaille maintenant avec l'équipe nationale des États-Unis, puis l'autre, c'était Dave Sanders. C'est des gars qui étaient diamétralement opposés de là d'où je venais. C'est pas des techniciens du tout, eux autres. Il y avait d'autres gars, d'autres employés qui faisaient toute la technique, toute la méthodologie pour eux. Mais c'est le genre de gars qui vont prendre 6 jeunes dans la rue, qui vont les transformer en machines à courir en dedans d'une semaine. C'est vraiment incroyable de voir ces gars-là. Ah, c'est des motivateurs. Je veux dire, ils comprennent les gens, ils comprennent le vélo, ils comprennent leurs ambitions, ils sont capables de toucher dessus, de pousser les bons boutons pour s'assurer que... puis tu sais, de leur faire comprendre qu'ils sont aussi capables que n'importe qui. Là. C'est vraiment impressionnant. Puis chacun a leur personnalité, là, c'est pas facile. Ouais.
Non, écoute, on parlait particulièrement des coureurs de vitesse. Là. Ça, honnêtement, ça a été un privilège de travailler avec eux autres. C'est des gars qui sont très, très, très ambitieux. Ils ont été deuxièmes aux Jeux olympiques. Ils ont perdu par 9 centièmes de seconde. C'est le genre d'expérience. C'est super intéressant. C'est le genre d'expérience qui te marque beaucoup parce que leur ambition, c'est de devenir champion olympique. Ceci dit, d'aller aux Jeux olympiques, c'est déjà un exploit comme tel. D'y aller, d'avoir une médaille, c'est pas rien. Mais d'avoir la perspective d'y avoir été, d'avoir gagné une médaille, d'être passé aussi proche d'avoir gagné la médaille d'or, mais de ne pas l'avoir gagné, ça te donne des gars avec une... ils ont une expérience, ils ont une ambition qui est vraiment hors du commun. Ils sont extrêmement professionnels. J'ai fait 3 mois avec eux autres comme entraîneur substitut en attendant qu'on engage un train d'entraîneur. Ça a été une expérience exceptionnelle. Tu travailles beaucoup le côté humain, ouais, des athlètes. À ce niveau-là, c'est honnêtement, tu peux regarder tous les athlètes qu'on a ici, puis c'est pas mal tous des athlètes d'exception. Ils ont tous des très, très bons niveaux. Bon, il y en a qui sont un petit peu meilleurs que les autres, là. Mais c'est plus là que tu fais la différence. C'est vraiment... Dans la tête, c'est le gars qui va, ou la fille qui va défoncer un mur de plus, ou qui va passer un obstacle de plus, ou qui refuse de dire non quand tous les autres ont décidé d'arrêter. C'est fascinant, tu sais. Donne-le le plan de motivateur. Oui. À ce niveau-ci, c'est super, super important. Je te dis honnêtement, moi, je crois que le psychologue le plus important dans une équipe, c'est le coureur lui-même, c'est l'entraîneur qui travaille avec. Moi, je sais pas si ça dit beaucoup au niveau de ma personnalité, mais toutes les années que j'ai travaillé avec un psychologue, le psychologue avait l'air de passer plus de temps à travailler avec moi ou sur moi qu'avec mes athlètes, pour être honnête. Mais je veux dire, en même temps, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. T'sais. Je veux dire, le psychologue, on l'a pas à côté de nous autres. On veut pas une béquille non plus. Là. On l'a pas à côté de nous autres 365 jours par année, puis on l'amène aux compétitions. Alors, il donne énormément d'aide aux athlètes, mais il faut que les athlètes apprennent à se gérer eux-mêmes. Il faut apprendre aux entraîneurs comment aider les athlètes à gérer eux-mêmes. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe. Mais tu sais, une fois que tu es sur la ligne de départ ici, puis il te reste un tour à faire, puis tu as du vomi qui te sort par les oreilles puis par les yeux, le fait que tu as un entraîneur au milieu de la piste ou sur le bord de la piste, ou un psychologue qui est assis dans les gratins qui dit « Vas-y Martin, ça fait plus de différence. » Je veux dire, on ne joue plus aucun rôle. C'est une décision entre la tête et lui-même. C'est comme ça que ça se joue. Le meilleur coup de carrière? Le meilleur coup de carrière, à part marié, ça compte pas, hein? C'est l'histoire de la carrière de tout le monde qui travaille dans le sport ici. C'est le sacrifice qu'on fait. Mes enfants sont très résilients et ils ont appris à vivre sans moi. Je veux dire, la première fois que je m'en suis rendu compte, ça te fait mal au cœur. C'est dur. Puis c'est des choix qui sont difficiles à faire aussi. Mais c'est impossible d'avoir ce mode de vie-là sans avoir une partenaire qui est très, très solide, très compréhensible, qui est capable de prendre des décisions. Ouais. Le plus content. Mais oui, tu sais, quand tu dis ça, je... On en parlait ce matin avec Jacques Landry pendant qu'on montait à la course. À part 2 ans de ma vie, là, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais travaillé. Moi, c'est pas un emploi. Je suis payé pour faire quelque chose que j'aime. Je suis payé pour faire quelque chose que je me lève à tous les matins. Puis, tu sais, j'ai le meilleur métier au monde. C'est ça. Puis j'attends toujours le jour où quelqu'un va me réveiller ou quelqu'un va venir avec la carte et va me dire « Martin, tu punches au bureau un matin? » Mais honnêtement, j'ai pas eu ça encore. C'est génial. Je veux dire, je me trouve tellement chanceux. Là. C'est pas une carrière non plus de laquelle on peut dire on sort de l'école et on prend cette carrière-là. Non, pas vraiment. Mais en fait, moi, je suis économiste de métier. Puis j'avais commencé en économique. Mon père était économiste également. Fait que lui, il était fier. Puis après 2 ans en économique, j'ai décidé de laisser tomber puis de partir pour devenir entraîneur professionnel. Ça, c'est les 2 ans que tu as travaillé, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, les 2 ans que j'ai travaillé. C'est ça, exactement. C'est les 2 ans que j'ai travaillé. Puis là, tu Gilles, mon père, il comprenait pas. Là. Mais après un bout de temps, c'est lui qui me l'a dit. Il dit, ouais, il dit, je pense que je viens de comprendre. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, l'économique puis le métier d'entraîneur, c'est exactement la même chose. C'est une science qui va être un art ou c'est un art qui va être une science. Tu travailles avec des données techniques, avec de la science, mais tu travailles avec du monde aussi. Je veux dire, l'économique, c'est la relation humaine dans un marché essentiellement. Puis là, ça l'a mis un peu plus à l'aise.
Québec, c'était fait. Mais ça, il y a plus du temps. Parce que, tu sais, spécialement ici au Canada, ça faisait pas très sérieux. Moi, je me souviens, j'allais faire du ski dans l'Ouest canadien quand je travaillais là. Puis on montait dans les chaises, dans les quads pour monter au sommet de la montagne. Puis les gens te demandent, tu sais, eux autres, ils ont tous des métiers ordinaires, là. Ils sont fermiers ou ils sont épiciers ou des affaires. Les gens te demandent, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis entraîneur de vélo. Ils sont là, ah, ouais, non, c'est le fun, mais comme métier, là, qu'est-ce que tu fais? Là, je leur dis, non, je suis entraîneur de vélo. Ils sont là, tu gagnes ta vie avec ça? Oui. Puis là, ça finissait la conversation de finir. J'étais un paria assis sur la chaise, tout le monde se parlait entre eux, il n'y avait personne qui me parlait de l'autre côté. Pas de problème. Merci, pas de problème. Ouais. Fait que lui, il commence, il vient pour en parler. Puis je dis, non, on a fait des études en soufflerie. Puis ce qu'on a découvert, c'est que la barbe, et vous allez remarquer que quand on met du gel dedans, on l'oriente de façon à ce que la barbe tombe sur ses épaules. Ça permet de prendre l'air qui vient sur sa face puis de le rediriger sur les épaules. Les journalistes, pendant ce temps-là, eux autres, ils prennent toutes les notes. Ils prennent tout en note. Et il dit, il me regarde, il dit, Martin, t'es bon, t'es vraiment bon. Ils ont tout écrit, c'est sorti dans les articles le lendemain, ils ont été pliés en quatre. Mais c'est lui l'ancêtre. Il se l'est fait couper d'ailleurs. Il y avait un pari avec Arnaud Tournant qui avait commencé au mois de mai, au mois d'avril. Il avait battu Tournant dans la vitesse et le carin à la Coupe du Monde à Sydney en portant la barbe. Puis Tournant lui avait dit, il dit, écoute, si tu gagnes le championnat du monde, je veux te raser, c'est moi, je vais te raser ta barbe, et c'est moi qui vais le faire. Ça fait que, de fait, Eddie gagne le championnat du monde, il rentre dans les box. Tournant l'attendait avec la serviette, le rasoir, la crème à raser. C'était live. Il y avait les crédits qui roulaient, parce que c'est la dernière épreuve du championnat du monde. Tu avais les crédits qui roulaient, puis tu avais Sean Lee qui se faisait raser live à Eurosport pendant que les crédits roulaient. C'est quoi son nom? Sean Lee. C'est un de tes athlètes. C'est un de mes anciens, oui. C'est lui qui a commencé ça. C'est lui qui a commencé la barbe. Ah bon. Je parlais avec Stuart O'Grady la semaine d'après. On était encore en Europe. Puis O'Grady me disait, écoute, il dit, il était à Paris-Tour, eux autres. Il dit, c'est la seule chose dont tout le monde parlait dans le peloton. Comment un gars avait couru avec une barbe et s'était fait raser en direct à Eurosport. Puis tu remarques maintenant, il y en a quand même beaucoup plus qui le font. Il dit, prend tout le crédit pour ça. Aéro. Non, ouais, ça. On cherche encore, OK? Oui, OK. On cherche encore. C'est dans les technologies. Oui, ouais, c'est ça, dans les technologies avancées. Là, on a un secret que personne d'autre connaît. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Les autres, c'est le carbone, nous autres, c'est la barbe.